une question. Oui, une question. Hébreux 10, 25 dit, ne quittez pas votre assemblée. Tous ceux qui sont là ont quitté leur assemblée. C'est ça que le pasteur n'est pas content. Il est contre nous parce qu'on a quitté l'assemblée. La réponse. Ah, ok. Eh bien, s'il n'est pas content, il faut prier pour lui que Dieu le garde. Et, parce que c'est sûr que plus... Si tout le monde s'en va, il n'aura plus de salaire. Mais il faut qu'il aille trouver du travail comme tout le monde dans ce cas-là. Il doit plutôt être content du fait que les gens ont découvert Jésus. C'est notre rôle. Amen. Amen. Les gens n'appartiennent pas au pasteur. Vous appartenez à Dieu. On m'a dit qu'un pasteur s'est demandé où étaient partis les gens. Ben, ils sont avec Jésus. Amen. Amen. Une assemblée, c'est quoi, effectivement? C'est pas un bâtiment? Le Seigneur a dit là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est là. Il y a l'assemblée des pasteurs où l'on vous oblige à payer la dîme. On vous oblige à suivre une formation biblique au sein de l'église moyennant de l'argent. Ça, c'est du vol. Jésus n'a jamais demandé de l'argent aux gens pour leur donner les enseignements. Donc, maintenant, vous me direz, qu'est-ce que nous allons faire? Ben, priez le Seigneur et priez avec les uns les autres, comme Dieu vous conduira, partagez entre vous. Amen. Amen. Voilà. Ça fait quand même, ça libère hein, le fait de ne plus payer la dîme, là. Ça libère, non? Qui est libéré de ça? L'impôt pastoral. On m'a dit même il y a des programmes organisés pour récolter de l'argent pour le pasteur, c'est ça non? Power of money. Eh ben, Babylone tombe. Au nom de Jésus. Il te oyait tout. Nous sommes libres. La Bible dit qu'il faut donner selon son cœur. Gloire à Dieu.